Au vu déjà du grand succès qu'a sa série à Mayotte, qui est suivie par quasiment tous les foyers mahorais, et que j'ai su qu'elle chantait, donc j'ai décidé il y a plus d'un an de commencer à négocier avec son management pour qu'elle vienne jouer ici. Et grâce à l'appui de Mayotte Première, finalement, elle a donné son accord hier soir. Alors, comment ça s'est fait justement cette négociation et aujourd'hui, comment s'annonce l'événement ? Les négociations ont été assez dures parce qu'elle a un emploi du temps très très chargé. Mais comme elle prévoit également une tournée dans l'océan Indien, nous avons profité de cette tournée pour la faire venir à Mayotte. Donc elle devrait être à Mayotte le 5 mai pour un grand concert événement qui aura lieu sur le parking même de Mayotte Première. Alors justement, comment s'annonce cet événement pour vous en tant qu'organisateur et comment est-ce que vous appréhendez cette rencontre avec son public mahorais ? Comme tout grand événement, il est clair qu'il y a un risque également et nous allons mobiliser la sécurité autour de l'événement pour que également le public puisse profiter, mais surtout elle puisse connaître Mayotte, puisque auparavant elle avait du mal à situer Mayotte sur la carte mondiale. Maintenant, elle a décidé de venir et nous allons en profiter.